Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode sur Oxygen Not Included, j'allais dire No 1800. Sur Oxygen Not Included. Alors on va reprendre cette partie, fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Qu'est-ce qui était pété là, je ne sais plus, mais... Normalement on est bon ici. Hein. Pourquoi j'ai pas d'oxygène? Non, c'est que j'ai pas d'énergie. C'est ça plutôt. Ouais, donc juste on va désactiver ça. Le temps qui passe. Au niveau de la vitesse, j'ai remis 1, 2 et 3. Non, de l'autre côté. Tu peux planter ici? C'est juste réfrigéré là, ça va pourrir à terme. Allez mon petit gars, tu peux le faire. Là c'est congelé. Ok. Ouais, et du coup le geyser de soufre il était par là je crois. Il était là ouais. Comment ils font pour être tous en pause là? Vous tous vous êtes en pause, ok. Qu'est-ce que je peux vous faire faire? Parce que vous êtes 7, c'est quand même beaucoup pour finalement tout ce qu'il y a à faire maintenant. Qui est pas énorme en soi. Peut-être fermé déjà ici. Et isoler ce biome un petit peu. Ouais, il va falloir faire ça. Sauf que... Alors attendons. Tout par ici. Ouais, Steph, c'est bien. Steph et Steve, au boulot. Et après le reste, on va le faire par le haut. Je vais quand même enlever celle-ci, on sait jamais. Enfin, je sais pas de quel côté ils vont arriver. Sauf que je sens que vous allez être assez bête pour vous louper, tomber. Non, ça va pouvoir partir par là. Ok. De l'autre côté. De l'autre côté. Alors attendez, je retourne vite fait sur OBS. Je trouve mon son un poil bas. Je vais juste remonter. Ici, remonter un petit peu la sortie. On va mettre ouais, les 3 décibels de plus. Je sais pas trop ce que ça donne là. Ça donne quoi ça? C'est pas suffisant. On va remonter un petit peu, 5 décibels, voilà. Ça donne quoi? C'est pas... ouais, c'est un peu fort, je vais juste mettre un petit limiteur. Désolé, je fais les réglages en même temps que je joue. Voilà, un petit limiteur en moins 6, comme ça, ça ne sature jamais. Parfait. On revient en jeu pile sur la sauvegarde, ce que mon PC adore, hein. Tous les PC en général. Hein. Adore ça sur Oni. On est toujours sous vide, c'est bien. Ici, on a dit que personne passait. Eh bien, donc ils vont me... On va faire les câbles, ça va alimenter les exos et on pourra passer en exo. Ok. Grislin. Ça manque de lits à Grislin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque un lit. On pourrait gagner de la place et faire. Parce que là, j'ai fait... c'est pas des chambres individuelles. Après. J'ai peut-être du plastique en fait. En train de me dire. On va vérifier. Mais je dois avoir du plastique. Ouais, on peut faire des lits en plastique. Ben voilà. On va démolir tout ça. Tout ça. Ah mince, il dort. On va laisser dormir Steve quand même. Ça, je vais faire autrement. Mes chambres sont vraiment mal positionnées, je trouve. Est-ce que je le ferai pas en dessous là finalement? Coincé. Qui est coincé? Pause. Attends, comment t'as fait pour te coincer? Bah non, t'es pas coincé, comme dis-tu. Bon, bizarre. Alors. Mais c'est fou, 10 en pause. Je vous ai donné plein de boulot, les gars.
Tiens, on va faire ça. Toujours température corporelle, c'est cool. Deux plantes sifflantes, ça suffit pas à refroidir toute cette eau polluée. Tiens, ben ramassez ça si vous vous ennuyez, voilà. Ramassez ça, ramassez ça. Ça. Tout ça, là, vous pouvez pas le ramasser. Là, tu peux monter, là, tu peux monter, là, tu peux descendre, mais je sais pas ce que t'attendais. Ok, alors attends, niveau énergie, je crois qu'on est bon. Et... Pourquoi y'a pas d'énergie? Parce que je t'ai pas demandé de... Ah non, activer. Déposer une combinaison. Ouais, voilà, c'est bon. Il y a un petit micmac là, mais... Mes conduites de gaz, mais je m'y retrouve. Du coup, ici on peut demander ça. Voilà, comme ça ils vont venir péter ça. On va démolir ici. On va commencer à faire... Ah tiens, en fait, avant que j'oublie, on va commencer à faire... Ouais, il y a des lits. Le module de métal raffiné. Ah tiens, on peut faire des bateaux. Faisons des bateaux. Un, deux, trois, quatre. Ah, je suis mal placé. 5. Enfin, 4. 5, 6. Ouais. Cette sortie, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que là, j'en place 1, 2. Je vais la décaler, mais franchement. C'est eux qui m'embêtent, en fait. Est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu des électrolimaces, sachant qu'elles produisent quand même un peu d'énergie? Ouais, 40 watts. 300, lui, il est plus jeune. Ou alors je leur fais ici les chambres, c'est pas mal ici. Ouais, on va faire ça ici. Côté de la salle de vie, bon, pourquoi pas, allez. Ou alors, je suis en train d'y penser, on leur fait dans l'espace. On pourrait leur faire... Ouais, c'était pas déjà toi? Ah ouais, on pourrait leur faire une base dans l'espace. Longtemps que j'avais envie de faire ça. Mais carrément. Bon alors du coup, attends, je vais vous remettre juste des lits, le temps que ça se passe, mais ça pourrait être très marrant, une base dans l'espace. Il m'en reste du plastique ou pas? Ouais, 1300, 1400 kilos quasiment. Non. G, pas H. H, c'est home. Et bah, tout ça, tu peux péter. Même juste ça, ça suffit. Voilà, très bien. Ça peut être pas mal, une petite base dans l'espace. Ouais. Tiens, ça, on va le dégommer. Du coup... T'as planté, génial. Vous voyez, il faut juste qu'il y ait 3 d'écart entre l'endroit où vous voulez planter. 1, 2, 3. Donc même s'il y avait une plante ici, là, enfin, ou là, en dessous en tout cas, bah, il pourrait planter. Oh purée, j'ai plus d'haricots, il m'en faut combien? 2. Haricots. Mettre objet ramasse uniquement. Ramasser en 9. Non, bah pas. Ramasser uniquement. Voilà, c'était ça que je voulais pas. C'était qui? Mais encore? Ah non, c'est bon. Démolis ça. Putain, vous avez déjà tout ramassé, les gars? Vraiment? Bah non. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ah, peut-être que c'est pas accessible. Peut-être que l'endroit où on range n'est pas accessible. Faites ça. Parce que là, si je vous fais ranger ici. Bah, vous y arrivez? Je comprends pas vraiment. Bon. On va ramasser aussi rapidement tout ça. Et alors? Donc. Liquide. On va les mettre en plomb, tant pis, c'est pas l'idéal. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas l'idéal. Le mieux c'est l'acier, peut-être même le thermium.
J'ai pas trop manipulé le thermium, je suis pas exactement, enfin je suis pas certain, mais disons que dans les métaux primaires, métaux raffinés primaires, l'or est meilleur. Sinon après il y a l'acier, je crois. J'ai un doute sur entre l'acier et l'or. Bref. Donc on va avoir une arrivée. Ouais, on plante donc 1, 2, 3, on passe le capteur, et toi tu t'ouvres, donc je parle à quelque chose que je vais mettre après. Ça par contre il faudra en acier, sinon ça va surchauffer. Le capteur thermique on peut le laisser en plomb. Tac, voilà. Et donc tout ça partira en dessous sur une raffinerie. Voilà. Alors régulièrement, je vais donner des ordres et venir voir ici s'ils ont planté. Là, je vais pas déconstruire ici parce que sinon il va pas me planter là-haut. Vous êtes déjà en pause, sincèrement, c'est vrai? Vous m'avez fait tous les lits? Bah écoute, au pire, je lui fais une chambre ici à l'autre. Est-ce que c'est grave qu'il n'y ait pas de chambre? Elendril, pourquoi t'es stressé? T'es mouillé. Vraiment? Ah oui, ça empêche pas d'être mouillé, ça. Bon, ça, ce serait bien que ce soit fait vite, comme ça, après j'isole. On a juste ce point de... De fuite thermique, disons. Allez, plante, mon gars. Tout le monde te regarde. Voilà, bah, il fallait le motiver un petit peu. On ramasse tout ça. Copier... Coller. Là j'en ai combien? 6, très bien. J'en ai qu'un. Ah si, 1. Ah mais il est congelé, ça va. Capture en 9. Voilà. Et ils sont tous en pause encore de l'autre côté. Ah, en même temps ils bossent vite, hein. Je vais le mettre en vitesse 2. Faut avouer qu'ils bossent très vite. Ensuite, divers. On va aller chercher le thermostat aquatique en acier pour passer les plus de 200 degrés, disons, sans avoir de surchauffe. Je vais te mettre, je pense, au centre. Je vais avoir deux raffineries en dessous. Donc un circuit ici. Je vais peut-être en prévoir deux. Est-ce que j'en ai assez? Non. Écoute, on va en mettre un pour l'instant. Liquide. Là. Tac. Capteur thermique. On va passer par là, c'est sûr. Par où on va revenir, je suis pas certain encore. Mince. Ce qui est sûr, c'est que tu vas venir refroidir. On va passer par là, ouais. Tac, tac. Non. En isolé. Pas encore en radiant. En isolé, on va passer par là. On va refroidir les turbines. Donc on va faire en radiant ici. Tac, tac, tac. Après les turbines, on va venir ici. On va venir refroidir. Alors à la base, est-ce qu'il y a besoin de la refroidir? Pas certain pour l'instant. Un peu chaud ici quand même. Mais bon, je vais refroidir cette zone, donc bon. Est-ce que... Est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas certain. Je suis pas certain, non. Donc du coup, on refroidit les turbines, j'ai dit. Ouais, en plomb. Et ensuite, on va venir dessous. Et en sommeil. Alors attends, on va prévoir l'arrivée ici. Ouais, on va prévoir l'arrivée. Tac, tac. Sachant que j'aimerais bien qu'on y arrive en exo ici. On va couper tout ça là. J'ai pas envie qu'ils y arrivent autrement.
Excusez-moi. Petite toux. Bon, un coup. Allez les gars. YouTube vous regarde. Putain, mais il m'a repris. Ah non, il a dû pourrir leur écho. Mais non, mais c'est que j'en avais qu'un. Bon, attends, on va faire ça. Ça, voilà. Je vais mettre exactement la quantité qu'il faut. Après, est-ce qu'il m'en reste 7. Ah, il m'en faut 8. Pourquoi il veut pas planter ici? Est-ce que j'ai des plantes ailleurs qui gênent? Non. Ah, ça y est. On n'est pas ailleurs des haricots, je veux dire. Des haricots? Si, si, j'en ai. 12? Excellent, on va aller chercher. Très bien. Nos petits lits bateaux. Bateau des rêves, assigné à Mip. Elendril, voici où tu dors. Et d'ailleurs, mobilier, je peux vous mettre une petite déco. On a un décorateur ici? Burt. Burt est décorateur, ouais. Catalina, pourquoi je t'ai pas donné de points de... Parce que je sais pas, parce que je savais pas encore quoi te donner, je crois. Peut-être un truc comme ça. Les pilotes de fusée, ah oui, c'est que j'en ai qui vont partir dans l'espace. C'est pour ça que j'ai pas fait le 7ème lit. Ça me revient. Donc ici, il me faut ingrédients de haricots en œuf. Ouais, donc ici j'ai dit. Tac. Ah, mais c'est que tu arrives par là aussi. Ouais, bon. Construisez ça, ça me gêne pas. Vous allez vous coincer à terme de toute façon. Alors construis pas ça avant de te coincer, ce serait bien. Ouais, voilà. Déplace-toi ici avant. D'ailleurs, je t'ai sauvé la vie. Hein. Je vais sauver une perte de temps pour la vidéo aussi. Voilà. Si je peux la mettre là, la pompe. Et donc maintenant, je voudrais que vous y arriviez par ici, là. Voilà. Toujours sous vide, très bien. Donc ensuite, je vais voir... Est-ce que j'en ai besoin de plusieurs? J'ai un doute. J'ai pas de volcan métallique ici. Donc il va falloir que je raffine du métal quand même. Ça, on automatise. Alors, je vais vous expliquer le principe. Mais ouais, je vais d'abord, bah sinon je vais le faire 50 fois. Tiens, cette conduite de gaz, elle m'embête un peu. Ouais, par là plutôt. Alors je veux qu'ils arrivent en exosuite parce qu'on va l'ouvrir le geyser gaznat. Puis on va faire le vide et ces mini waterlock là, sans exosuite, ils pètent assez vite. Alors de l'autre côté. T'en as deux, très bien. Ici on en veut 1, 2, 3, 4, 5. Des haricots. Je vais attendre qu'il les ramène, sinon il va me les ramasser. On va passer la nuit. Nouveau duplicant, ouais. On a plus besoin de grand chose. J'ai plus besoin de grand chose en ce moment, donc bon. Coupe de la rouille, très bien. Ouais, ce serait bien que vous les ramassiez vite quand même. Oh, super. Tiens, attends, on va faire ça comme ça, il peut commencer à planter. Mais Elendril ne s'arrête jamais de bosser, même la nuit. Très bien.
ça ramasse ça si tu veux. Mais t'es génial, Elendril. Elendril, il est au top. Très bien. Aluko. Mais plante-toi, purée. Pourquoi il plante plus vite lui que lui? T'es vieux? Même pas, 36 ans. 36 ans aussi, vous avez le même âge, les gars. Tiens, si ça s'ennuie, tac. On va repasser en vitesse 2. Ok. Et donc, on va faire la même chose. Donc, j'ai pris combien de cases? 4, ouais. Ici, ça va faire donc 1, 2. 2, pardon. 3, capteur, disjoncteur. Van d'arrêt de liquide, ça a changé plusieurs fois de nom avec la traduction. En acier, oui. Et on ressort en isolé. Voilà. Donc là on est bon. Mobilier, ici on va mettre un liquide quelconque juste pour pouvoir bloquer les gaz à l'intérieur et pouvoir faire le vide. Est-ce que tu m'as fait la conduite de gaz? Ouais. Ça va se bloquer, donc tu vas passer là, on est d'accord. Hein? Yes. Comme ça, je dégage ça. Et à terme, ça va bouger. Tiens, toi, on peut t'enlever. Ok. Mince. Voilà. Tu vas où comme ça? Ok. Ok, vous avez pas besoin de ça, très bien. Alors gaz, on va faire sortir les gaz ici. Une évacuation haute pression, parce que sinon... Dès qu'il y a 2 kg par case de gaz, la petite évacuation se bloque. Et nous, on voit pas que ça se bloque, justement. Énergie, on va mettre une petite roue. Une petite pompe. Une petite pompe, une petite... batterie. Enfin, ouais, même tac, voilà. Très bien. Ici on va mettre des plaques de régulation thermique histoire de lisser un peu la température sur toute la zone. Et j'ai de la place ici pour un thermostat aquatique si besoin plus tard. Non, j'ai pas la place. Est-ce que c'est 4 de large? Est-ce que c'est grave, docteur? Non, ce n'est pas grave parce que je pourrais finalement le mettre là. Avec le capteur thermique au-dessus. Putain, je croyais qu'il y avait l'oxygène pollué. Avec le capteur thermique au-dessus. Et tant pis si c'est pas pile à côté, il y aura une bulle d'écart, c'est pas la fin du monde. Ici, tu me mets. Alors, je sais pas si on a du pétrole. Ce serait bien, ça éviterait que ça, ça se vaporise. Non. Mais mets-moi de l'eau. C'est pas grave, on fera le vide avant que ça s'ouvre. Et on fermera rapidement après que... De toute façon, il est en sommeil, là. Donc, ça va encore. kg d'hydrogène par case. Tout va bien. Ok, alors attends. Ça, on va l'annuler. Putain, il y a deux plantes sifflantes dans l'hydrogène. Ça suffit pas à refroidir ceci. Et je me demande si c'est pas une histoire de pont. Oui, téléporte. Parce que les ponts téléportent les choses. Donc ils téléportent aussi la température. 27 degrés, ouais. Bon, je sais pas trop. Bon, après, on est en niveau bouffe. Mais tu plantes, toi? Qu'est-ce que t'attends? Allez, allez, mon petit gars, tu peux le faire. Prends ça et mets-le là. Nous te regardons. Ouais, t'as pas de morale, une histoire de morale, toi. J'ai cru qu'il allait y aller.
ton copain il est chaud patate là, il attend que ça, que tu te mettes à planter là pour pouvoir planter ici. Ah mais qu'est-ce qui t'embête? Il y a un truc qui l'embête, mais alors je sais pas ce que c'est. On a bien 4 d'eau. Ouais. Mais j'ai pas de plantes aux alentours. Bah, c'est pas celle-là quand même qui t'embête, elle est beaucoup trop loin. Allez mon petit gars, tu peux le faire. Dioxyde de carbone, non tout va bien, ça pousse. Hein. Les premiers qu'on a plantés, ils sont 11%. Tu m'épuises. Bon, on va retourner voir l'intérieur des fusées. Voyager 2, oui. Bah ici, on peut faire ça. Voilà. Mobilier, donc alors attends, Voyager. C'était fusée d'explo. Tu pars d'ici, ouais, on va l'explorer par là. Enfin, par là, aux alentours. Hein. Attends. Ouais. Donc, ça veut dire... Après, j'en ai mis qu'une. Donc, fusée d'explo, Voyager. Ok. Donc, juste un lit. Et ici, ouais, c'est ça. Que je m'y retrouve. Mobilier. Lit à échelle. Tac. Base. Une porte pour voir le bonus. Ouais, j'avais pas assez, ça me revient. Ouais. Ok, liquide. Normalement, ils peuvent monter comme ça. Après, ils pourront pas monter ici. Mince. Est-ce que c'est grave un peu? On va le tourner. Oh, on va mettre une échelle en plastique pour pas que ça jure. Voilà. Ici. Une porte pour les toilettes. Liquide. Toilette murale. Ah, il peut monter. Il y a accès à ça, bon. Pour la... Quoique... Pas forcément besoin, on va voir. Non, ça va, tout va bien. Nickel. Impeccable. Ok, donc... Toilette. Soin. Désinfectant pour les mains. Je me suis trompé de touche, j'ai fait F. On est à 8. C'est 12. Je sais plus. Oui, 12 ou 10. 12. Hein. 12. 8, donc il m'en faut 4. Ok. Non. Attends. 4. Et la chambre, c'est 12 aussi. Hein. Ok, donc toi, t'es à combien là? 6. 8. 10, 12. D'accord, donc en fait, en faisant ça, normalement je suis bon. 5 et 3, 8. 8 et 4, 12. Parfait. Ah non, on pouvait pas aller là. Alors pourquoi tu peux aller là? Ah non, inaccessible, donc c'est bien ce que je disais, il me fallait une échelle. Voilà. Alors, est-ce que t'as réussi à planter? Mais c'est une blague. Il y a un bug là. Gré, bah non, tout va bien. Est-ce que c'est pas ça qui t'embête? Je sais pas trop. J'ai de l'engrais, alors ce qu'on peut faire déjà? Station. Station agronome. Voilà. On va voir, hein, peut-être que c'est ça. Hein. Mais logiquement, je pense pas. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi j'ai fait pareil au-dessus, donc. Si j'en mets deux. Si je mets les deux dans la même pièce. Ici, 0. Capture en 9. Est-ce que lui il est plus enclin à planter? Je sais pas. Vraiment, là il n'y a aucune raison valable, j'en suis certain. Oh, mais qu'est-ce qui m'énerve à être coincé? C'est ici là qu'ils sont coincés.
comprends pas les autres. Pourquoi t'as attendu ton copain? Je sais pas. Ah oui, non, par contre, si on l'enlève pas, on risque pas d'avoir un vide. Voilà, donc ici on va faire passer une conduite de liquide rayonnante pour récupérer la chaleur du... Excusez-moi, je galère. Pour récupérer la chaleur du geyser de gaz naturel, mais oui. Comment ai-je pu oublier? Ah oui, j'oublie l'automatisation ici, circuit logique. Donc toi tu t'activeras uniquement quand... Enfin lui s'activera uniquement quand la température... du liquide ici sera supérieur à celle que j'aurais indiquée. Ça va aller assez vite le vide. Il est toujours en sommeil, ok. Énergie. On va récupérer ceci. Voilà. J'essuie là parce qu'elle a du mal la pompe sinon à pomper. Voyager 1, pareil, fusée d'explo, mais je pense que là on est bon. Il peut tenir 8 cycles. Je vais afficher l'algue. Ça va. Les béboises. Même si je les ai là, mais bon. Ok, et alors attends, carte stellaire. D'ici. Ah, mais attends, est-ce que d'ici j'ai pas. Non, on peut partir dans cette direction. On va faire 5 ou non, ça va. Changer. Pro 6, attends, il y a un bug là. Un bug. Façon de parler, hein. Là, ça va servir vite. C'est pas un bug, c'est qu'il en manquait. C'est toi Ah, c'est toi Voyager 1. Moi, je mets du pétrole en fait. Et toi? Ouais, voilà, toi t'es la fusée de colonisation. Mince. Oui. Donc, enlever ce module échangé par un moteur au pétrole. En plomb. Voilà. Du coup, on peut faire Sidal avec si j'en joue du comburant, c'est intéressant. Je ne savais pas. Et ouais, donc du coup, ici, on rejoint là. Bon, vous voyez, ça devient compliqué de donner des thèmes aux vidéos. Hein. On fait énormément de choses en même temps. Purée, c'est pas déjà? Allez, s'il vous plaît. Et stack. Bon après ils sont congelés, ils vont pas se périmer. Zéro, le max, capture automatique du surplus, voilà, en 9, comme ça ils vont vider ici, remplir ici. Oh, ils sont encore 12 en pause, mais c'est fou. Non, non, c'est pas fou, c'est juste qu'ils bossent très bien. Les gars, vous êtes au top. J'ai aucun endroit où je vide mon eau, je pourrais la vider ici. En disant eau ramasse uniquement. Objet ramasse uniquement plutôt. Alors, maintenant, donc là on est bon, il faut juste ramasser ça. Niveau énergie, je pense qu'on peut récupérer ce câble. Ouais. Ça on le démolit.
Toi aussi. Là, on va chasser le gaz par le bas. Regardez un peu la technique. Ça peut en aider certains, je pense. En biais, ils vont pouvoir construire. Vous voyez, hop. Donc on a construit ici, et d'ailleurs, hop, ici. Quand j'ai construit ici et ici, je vais miner là, et je pourrais construire là. Comme ça, on fait descendre un peu tout le gaz, et on peut le comprimer de cette manière, d'ailleurs. Allez, Artie, c'est bien. Bon, il est en sommeil. De toute façon, il va falloir l'analyser, donc... Au niveau des recherches, je vais voir un truc qui pêche parce que ça avance plus. Et j'ai pas l'icône disant... Ah, je manque de disquette. Ouais. Ouais lui, lui, il est à fond les ballons. du coup, alors attends. La raffinerie va être par là. En train de me dire, bon après je pourrais mettre des exos ici aussi, hein. C'est pas la fin du monde. Vide, c'est bon. Ramassage. Sam, notre grand scientifique. Qui vient analyser le geyser. Bon, il m'énerve ce portail là, oui. Tubercule boueux, très bien. Voyager 1. Alors je sais pas, j'espère que le pétrole est arrivé, on va le voir. Hein. 0 sur 3, non. Attends, on va mémoriser les positions. Ici c'est CTRL 1. Voilà, et si je m'en vais et que je vais ailleurs, je fais SHIFT 1. Boum. Ensuite, ici ça va être CTRL 2. Voilà. Alors je sais pas comment il gère ça. Alors ben voilà. Je sais pas comment il gère ça avec le... Bah, tous les astéroïdes. Est-ce que c'est mémorisation de position par astéroïde? Est-ce que sur l'autre astéroïde, je peux aussi faire CTRL 1 ou pas? Voilà, on démolit et on continue. Et là, je vais faire descendre. Alors attends, pour le coup, là, on va isoler par contre. Ah, ou pas, franchement je suis même pas sûr d'isoler. De la magmatique, j'en ai où? J'en ai un peu là. J'en ai là. J'ai pas fini ça. Mais bon, je lance plein de projets, mais ils vont tous se finir, vous inquiétez pas. Et ici, on peut démolir. Parce que j'ai besoin d'isolant magmatique, franchement. Ici, ça va faire ça. Sachant que. Attends. Je vais waterlocker, donc. Par où on va passer? Peut-être par ici. Ouais, ce sera le mieux. De toute façon, il est pas très chaud là, 37 degrés. Ouais, et du coup, bon, en fait, si. Tac. Tac. Voilà. Et on y est presque ici, hein, sur le vide. Heureusement qu'il y a cette alerte de radiation, sinon j'oublierai de planter à chaque fois. Très bien. Ah ouais, il était chaud patate. Continue. Alors j'aurais fait la même bêtise avec mon raccourci raté. Ouais, c'est un entretien des cultures qu'il me faudrait, compétences. Est-ce que Catalina, tu serais intéressante? Toi je t'ai pris pour le pilotage de fusée, mais toi aussi. Non pas toi, si Steph. Steph, tu vas piloter les fusées.
Steve, si tu élèves pas, tu peux entretenir les cultures. Et dans tes priorités, Steph, on va te dire... Steph... pas Steph, Steve. Bah, je t'avais déjà mis, bon écoute, on va rajouter. T'as planté? Non. Il y a un petit cooldown, je crois, sur les temps de plantation. Je voudrais... Voilà, merci. Les temps de plantation des pips. Avignol. On a l'air d'être bon. Change d'équipage, Mickey. Sam. Sam, il a analysé, donc très bien. À l'intérieur, on a de l'eau. On a de la bouffe, on a de l'algue. On a tout ce qu'il faut. Donc, équipage, changer. Direction. Ouais, direction. 1, 2. D'ici plutôt. Ouais. Ouais. Sam, t'as gardé ton masque. Écoute, on va l'enlever. Et on va décoller. Pas de tir. Ouais. Je l'ai trop nommé, toi. Ah ouais, non, je l'ai pas. Voyager, on va t'appeler. Moi, j'aime bien, en fait. Hop. Hop. Six. Ça, 6, ouais. Et activé. Voilà. Je sais pas pourquoi il fait ça à chaque fois. Ok, lancement de la fusée au pétrole. Alt S. Pour la miniature et pour la science. Quand même là qu'on voit que le son c'est plus important que l'image. Si vous êtes curieux, remettez quelques secondes en arrière juste pour réécouter le sound design là derrière. Et alors en certes on a des dessins cartoon, on a des graphismes un peu cartoon, mais vu que le son il est de qualité, les bruitages sont de qualité, ben on y croit là au décollage de la fusée. Donc ouais, bref. Il gère les mecs de Oni, de clé. Non. Là. Ça, on enlève. Il y en a combien ici? 5. Donc il en restera 4. Que je mettrai en dessous. Par contre, activer la récolte. Oui, en 9. Ils pourraient passer rapidement. Ah oui, non, ils peuvent pas. Si, ici. Rapidement, faire tout doudoudoudou. Tout doudoudoudou. Voilà. Oui, ça fait tout doudoudoudou dupliquant quand ça marche. Mais non, ils préfèrent faire ça. Ça, 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 là. Enfin bref. Vous avez compris. Magnifique, magnifique Steve. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez incarner Steve, le cultivateur éleveur, ou un autre duplicant, ou retourner sur la toute première vidéo de la série, vous me le mettez. Vous me le demandez, c'est avec grand plaisir que je vous nommerai un duplicant à votre nom. Ok, très bien. Capture automatique du surplus, 0, 9, ok. Et ici, nous promettons... 6 haricots en 9. Voilà. Alors c'est bien, tu l'as capturé, maintenant faut l'amener ici. Est-ce que quelqu'un va le faire? Ouais, Elendril, je te reconnais tellement Elendril avec ta veste jaune. Voilà. Toul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 ou, hop. Un démoli. Si, il en reste 4, magnifique. Ok, t'es... Ouais. Alors, dans l'espace. Bon, dans l'espace, on fait pas grand-chose parce que, ben, pour l'instant,
peut pas vraiment explorer. De la fusée, en fait, à l'intérieur, là, avec son télescope, il peut... Oh, cette inertie. Wow, avec les flèches, c'est pas pareil. Il peut, comment dire, observer l'espace, analyser ce qu'il y a autour, sur trois cases. Donc là, 1, 2, 3. Vous partez de cette case-là et vous les ajoutez 3 à chaque fois. Que ce soit 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, enfin, etc. C'est juste qu'il faut qu'elle soit collée, que ça fasse 3 cases. Donc quand il sera ici, 1, 2, 3, il commencera ici. 1, 2, 3, etc. Vous m'avez compris. Allez, ça bosse bien les gars, c'est cool. Sur Avagnol, 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 nous allons poursuivre avec ceci, ceci, ceci. Voilà, pour construire là. Voilà. Laisser la place pour une pompe, quand même. Ouais. Bon, je le ferme, je verrai après où je le mettrai. Ici, on est bon. Et tu te réveilles dans 5 cycles. Mais c'est magnifique, tu nous attendais en fait. Pompe en or, oui. Mais de toute façon, je vais avoir un liquide qui passe. Voilà. Et donc... Toi, tu vas passer là. Bon, on va faire ça comme ça. Donc, en gros, on va sortir du téléporteur, n'importe quoi. Du thermostat aquatique. Je vous fais le chemin. On sort du thermostat. On vient refroidir les turbines. On continue notre chemin, on descend. On vient refroidir la première... J'ai du mal, hein. Le premier geyser de gaz naturel. D'ailleurs, on pourrait remettre une petite radiante ici. Et ici. Voilà. On descend. On va venir ici. Refroidir la deuxième... Le deuxième geyser à gaz naturel. Qu'est-ce que je galère avec ce mot aujourd'hui? Impressionnant. Voilà. Quand on a fait ça, on revient. On passe par ici. Tac. Voilà. Et on va revenir ici, par ici, là, sur cette zone, pour refroidir l'endroit où je vais mettre mes turbines. Tout simplement. Alors attends, les conduites de gaz ne vont pas passer là. Elles vont passer en dessous, plutôt. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux. Et puis surtout, on va les faire en isolé. Parce que le stockage comprimé va se retrouver bah tiens, dessous là. Un, deux pour la pompe, un en dessous là, donc ça va se retrouver à peu près par là. Ouais, quelque chose comme ça. Dès que vous avez fini ça, on peut fermer en fait. Carte stellaire. Ok. Oh! Géante de glace morcelée. D'accord, donc on peut aller y chercher de la glace, du dioxyde de carbone, de l'oxygène, du méthane, un petit peu de méthane, un artefact. Océan interstellaire. Ah mais il y a des nouveautés, j'ai déjà dévoilé toute la carte stellaire, mais ça me dit rien ça. Ces deux là me disent rien. Après c'est pas un astéroïde, avec un peu de chance celui-ci oui. 1, 2, 3... C'est excellent. Ici, sel, saumure, eau saline, glace. D'accord. Océan interstellaire, ça me paraît très bizarre.
comment ça peut tenir ensemble, comment ça peut faire un ensemble même. Il y a quand même un petit noyau de quelque part, de quelque chose. Un corps interplanétaire composé d'eau salée, de saumure. D'accord, c'est un petit astéroïde en fait, ok. C'est juste que tu le matérialises pas comme ça, mais... Une fusée équipée d'une tête de forage est indispensable pour récupérer les ressources, oui. Et ici, ben non. Module de station spatiale ancien. Inspection. Des années de négligence et les effets de la radioactivité ont détruit toutes les données contenues dans le vaisseau, dans ce vaisseau à l'abandon. On a récupéré des données, ok. Mince. Donc du coup... Il me reste une dalle. Donc là ça ferait une, il m'en reste 4 derrière, 1, 2, 3, 4. Donc là on est bon, ouais. Une, deux, trois, ouais, c'est ça. Ok. Allez les gars, finissez-moi ça en priorité là. Ça je l'ai fait trop tôt. Bon, vous voyez comment en biais on peut boucher des trous et créer du vide du coup. Parce que s'il n'y a pas le geyser que je continue, à terme je rebouche tout et bah, le gaz est complètement détruit. À quoi me sert cette conduite? Oui, non, c'est bon. Oui, je suis nono des fois. Hop. Si. Non mais non, je suis bête. Voilà, c'est comme ça, quand ça c'est fait, je détruis et je peux faire ici. Voilà. Allez, Arty. Super. Dedans, on aura une pompe à gaz, mais pareil, qui sera pas... En or, c'est très bien. On passera pas les 100 degrés, c'est certain. Tac. Ici je peux déjà fermer. Même si elles servent pas à grand chose ces dalles. Donc c'est mieux de les enlever, comme ça on n'a pas de lien entre les deux lignes là ici. Mais bon. Visuellement c'est plus clair je trouve. Ok, ici c'est bon. On peut fermer. Ici on va avoir. Ouais, fais-le en gris, y a pas besoin d'isoler non plus. Un blend. Oui, comme ceci. Et tac. Voilà. Billet. Alors attends ça rapidement parce qu'il va se réveiller le Gugus. Attends. J'oublie un truc important. Un capteur Atmo qui va activer la pompe uniquement quand il y a surpression de gaz. Parce que si je fais le vide, elle va cramer au bout d'un moment. Ouais. Ok, ici c'est bon. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et hop. Là c'est pour la deuxième partie de la miniature. C'est pas CTRL Z, c'est Alt. CTRL S, c'est Alt S. Pour la deuxième partie de la miniature. Qui va pas être tip top comme ça. Putain, je suis en train de penser une connerie, je suis en train de me dire j'ai le titre. Oni et le haricot magique. Je sais pas si j'aurais mis ça, vous l'aurez. Mais bref, voilà, on poursuit, on a Sam qui va revenir de son expédition, qui repartira. Mais peut-être pas sur cette planète, de toute façon. Il va falloir refaire le plein de nourriture et d'algues. Le pétrole, on peut, je crois, le faire sur les deux astéroïdes, si je ne me trompe pas. Je vérifie quand même. C'est d'ici qu'on l'envoie. Ouais. Donc je peux faire des fusées au pétrole sur les deux astéroïdes, donc c'est pas un problème. Donc on peut faire des petits sauts de puce comme ça d'astéroïde en astéroïde.
pour peu qu'il y ait du pétrole, tout simplement. Voilà. Bon, merci. Déjà. De m'avoir suivi. Qui, Famine ? Otto. Mais Otto, tu rigoles ou quoi ? On a 240 000 calories. Tu peux en prendre 800 000, tranquille. Tu peux même prendre 2000 si t'as envie, Otto. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie. De m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut à tous.